connais-tu la différence entre ça, ça ou bien ça? Eh bien, si je te disais qu'elle n'en avait aucune, tu me croirais? Salut YouTube, bienvenue à Europa Park. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de Kesako, notre doc découverte du monde passionnant des transports sur les traces d'un concept tout autant futuriste que novateur au cœur du meilleur parc d'attractions et des loisirs du monde depuis 2014. Et pour cause, puisque sa technologie, une fois mise au point, a été réutilisée dans bien des domaines. Le transport, l'industrie, mais aussi les attractions. Je te parle bien évidemment du concept du monorail et de son incroyable technologie au gré de l'EP Express, la vraie ligne d'Europa Park. Entre fonctionnement et accident, je t'emmène à la découverte de A à Z de son histoire bien singulière. Allez, c'est parti! Plus de grandes attractions et de spectacles somptueux, à Europa Park, c'est la promesse de faire visiter toute l'Europe à ses visiteurs avec pas moins de près de 3 grands réseaux de transport. Un People Mover qui dessert les stations de la Pyramide et de l'Islande. Un magnifique train à vapeur électrique révolutionnaire sur un parcours de près de 3,5 km et aux 4 gares. L'EP Express. L'incroyable ligne de monorail avec ses 3 vrais trains, sa signalisation et ses 4 gares, qui en plus de permettre aux résidents des hôtels une entrée directe au cœur du parc, vous feront virevolter au gré de magnifiques décors des différents quartiers thématiques tout au long de ces 2,5 km de parcours. Comme sur n'importe quel réseau ferroviaire, la signalisation permet à une multitude de trains de rouler sur le même parcours et d'éviter tout risque de télescopage. Ainsi, sur notre ligne de monorail de l'EP Express, le fonctionnement de la signalisation est plutôt simple. Dès lors que le monorail franchit la tête de signal, ce dernier se ferme et protège son parcours jusqu'à son arrivée à la gare suivante. L'EP Express, cette ligne de monorail qui, à l'intérieur d'Europa Park, traverse toute l'Europe au gré de 4 gares sur un parcours de près de 2,5 km. Prenons ici l'exemple de l'itinéraire entre la station de la Grèce, ici à droite sur le plan de la ligne, et de la station allemande qui figure à l'entrée du parc. Comme je te l'expliquais, la signalisation permet la circulation de plusieurs trains sur le même parcours en toute sécurité. Dans ce cas précis, un train vient de quitter la station allemande, provoquant ainsi la libération de l'itinéraire entre les stations grecques et allemandes et donc l'ouverture du signal en station grecque. Ainsi, grâce à un capteur disposé sous la première voiture, le signal se fermera automatiquement à son franchissement lors du départ du train alors qu'il aura chargé tous ses voyageurs, provoquant ainsi la protection de l'itinéraire de ce dernier et ainsi de suite pour les 3 trains du parcours. Malgré toutes ces précautions, un matin d'août 2018, peu de temps après l'ouverture du parc, est malheureusement survenu un télescopage entre 2 trains en cours de manœuvre sur le réseau, endommageant fortement la face avant du monorail bleu, dénommé le Strasbourg-Paris. Fort heureusement, cet incident unique n'aura occasionné que des dégâts matériels sans aucune victime.
fois n'est pas coutume, Europa Park rebondira aussitôt avec la remise à neuf sur le champ des deux rames concernées. Tout comme cette journée noire du 26 mai 2018 aggravée dans les annales historiques du parc, où un gigantesque incendie d'origine accidentelle avalera des quartiers thématiques entiers au grand dam des visiteurs. Une fois l'alerte donnée dès 18h20, ce seront plus de 400 pompiers qui lutteront pendant près de 5 heures activement auprès du foyer, qui sera considéré comme éteint le lendemain matin aux alentours de 7h45. Grâce à l'incroyable professionnalisme des secours, au cours de cet incroyable incendie, aucune victime ne sera déplorée. Malheureusement, d'innombrables dégâts seront à déplorer. Les quartiers thématiques entiers ravagés, des attractions totalement ou partiellement détruites jusqu'aux coulisses du parc. Les dépôts du Panorama Van ainsi que des monorails n'étant pas en reste, puisque ces derniers sont directement concernés par la grande proximité de cet incendie historique. Par chance, aucun véhicule n'est touché et c'est une fois de plus sans nul doute grâce à l'abnégation de la famille Mac, propriétaire du parc, ainsi qu'à l'engouement total de leurs collaborateurs, que le parc renaîtra de ses cendres dans un délai plus que record. Et en tout cas, l'incroyable histoire d'Europa Park et de cette fabuleuse ligne de monorail qu'est le P-Express. C'est depuis 1995 que trois trains de type Mark II de chez AEG Evinrol, une entreprise suisse aujourd'hui filiale du concepteur ferroviaire Bombardier, permettent à près d'une centaine de passagers non seulement de profiter d'une vue imprenable, mais aussi de se déplacer littéralement d'un pays à l'autre à travers l'ensemble du parc. Équipé de 9 voitures dont 7 motrices, chaque train de couleurs différentes dispose d'une nomination qui leur est propre. Le Paris-Strasbourg pour le bleu, le Fribourg-Berlin pour le jaune et enfin le Balberne pour le rouge. D'une capacité de 99 places, chaque train dispose de 7 bougies pneumatiques moteurs d'une puissance de 37 kW chacun, équivalent à environ 50 chevaux vapeur situés sous les articulations. Les bougies sous chaque extrémité sont quant à eux porteurs. Longtemps considéré comme futuriste et novateur dans l'évolution des transports, le concept du monorail est plutôt simple. Les roues motrices pneumatiques assurent la traction et le freinage du véhicule, alors que les roues et galettes latérales, quant à elles, assurent tout simplement le guidage linéaire du train sur la voie, évitant ainsi tout déraillement possible. Et bien c'est ainsi que touche à sa fin notre voyage découverte du fabuleux concept du monorail et de l'EP Express, cette ligne de métro en plein cœur d'Europa Park. J'espère que cette vidéo t'aura plu, laisse-nous un petit like et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater de toutes nos nouveautés. Il ne me reste plus qu'à te dire à très vite pour un tout nouvel épisode de Kesako, et d'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao.